Nous sommes le jeudi 4 avril 2024. À bord, nous avons Julien Mathieu, 43 ans de Voves, Renaud, 55 ans de Paris, Pascal, 60 ans de Paris, Régis, 50 ans de Faux-Roux, Catherine, 58 ans d'Arcachon et Kader, 48 ans de Troyes. Kader nous parle de la hausse de la délinquance juvénile chez les filles, notamment chez les filles de confession musulmane. L'affaire Samara sera prise comme exemple. Certains musulmans voudraient transformer le paysage français pour qu'il ressemble plus à celui qui serait accepté par l'islam. D'après Maurice, la France a laissé faire pendant des années, ce qui a scindé la France en deux. L'assimilation, selon Maurice, n'est pas un terme approprié quand on parle de population immigrée dans un pays d'accueil, car elle implique d'une certaine façon un effacement de l'identité de la personne. Chez Régis, à Faux-Roux, la vie, c'est tranquille. En tout cas, et il tentera de nous dire pourquoi. Julien Mathieu nous fera part de son sentiment d'être très heureux de vivre à la campagne, loin des problèmes abordés précédemment. Bonne écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'est moi en tout cas. Encore un petit tour avec Stéphanie et ensuite on ira à Strasbourg écouter le couple de l'année, Alexandre et Zora. Et ensuite on retournera à Perpignan écouter Gemma. Il faut que tu coupes ton micro, Ouais, mais il faut juste que tu coupes ton micro. Comme ça, t'interviens quand t'as envie, mais après, tac, comme il y a beaucoup de bruit, toc, tu coupes. C'est super. Stéphanie, encore un petit tour avec toi, si t'es d'accord. Ouais, et du coup, comment ça se passe aux États-Unis? C'est bien aux États-Unis? L'Amérique, c'est très bien quand on a une vie normale. On va dire ça. Quand on a une vie normale, l'Amérique, enfin, je trouve, hein, il y a Marc aussi qui est aux États-Unis, je crois qu'il est sur le chat de Maurice Radio Libre, l'Amérique c'est très bien. On y vit très bien. Pour nous, Français, je pense que la seule difficulté quotidienne pour les Français comme moi, c'est la bouffe, qui est diamétralement opposée à notre façon de bouffer. Ça, c'est un peu partout, hein. Voilà. Non, c'est pas partout. C'est en Amérique, c'est compliqué parce que on a pas du tout la même façon de voir la bouffe. Et c'est vrai que mettre du sucre dans presque tout. Et nous, on n'est pas habitué à ça. Donc t'es vite écœuré, tu gonfles comme une baleine. Et si tu veux manger un peu comme chez nous, c'est parfaitement possible, mais c'est un peu plus compliqué, quoi, et un peu plus cher. Et aujourd'hui, ils nous voient comment, les Américains, nous, les Français? Est-ce qu'on a toujours ce rayonnement culturel, cette superbe qu'on nous octroyait avant, ou pas du tout? Pour être très honnête avec toi, mais Marc pourra réagir puisqu'il est sur le chat. Pour être très honnête, les Américains qui nous considèrent comme le pays de la culture, etc., sont des personnes âgées en général. Les autres Américains, la France, ils savent pas trop ce que c'est. Il y en a qui ont envie, des gonzesses surtout, qui ont envie d'aller à Paris, Paris, parce qu'elles imaginent Paris, Emily in Paris, quoi. Tu vois? Bon, nous, ouais. Nous, on connaît Paris, on sait que c'est pas ça, Paris, hein. Enfin, c'est pas que ça, quoi. On va le dire comme ça. Donc, on n'est pas du tout, enfin, on reste un petit pays de la planète, hein. Donc, pour les gens d'Amérique, on n'est pas prépondérant, on n'est pas très important, quoi. Enfin, pas plus que les Péruviens, tu vois. Mais la parole française, elle est représentée dans les médias américains? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, ça. Et ouais. Ouais, t'en vas. De temps en temps. En tout cas, c'est pour nous moquer, c'est pour nous dire, enfin, c'est quand quand Macron s'exprime sur un truc un peu important, est-ce que c'est repris? Est-ce que c'est relayé? Est-ce que c'est moqué? Est-ce que... Ouais, en fait, les Américains ne s'intéressent principalement qu'aux Américains. Hein. Ils s'intéressent pas beaucoup aux Français. De temps en temps, t'as un petit truc. D'ailleurs, nous, on les reprend tout de suite dès qu'ils font un truc autour de nous. Mais c'est très léger, quoi.
Il parle autant de la France que de l'Espagne ou de l'Italie ou de la Pologne, tu vois. On n'est pas un pays central. On était un pays de culture, etc., très important dans les années 80, tu vois. Mais aujourd'hui, d'abord aux États-Unis, il y a beaucoup de culture. Il y a énormément de culture aujourd'hui dans quasiment toutes les grandes villes d'Amérique. Il y a des choses à voir. Il y a des artistes, il y a des coins, il y a des expositions, etc. Donc, tu vois, ils ont leur propre système qui ne nous demande pas de. Ils n'ont pas besoin de nous, les Américains. D'accord. Et par rapport aux Allemands, par exemple? Ben, ils parlent pas plus des Allemands que de nous. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en sais, si tu prends une ville comme New Orleans, c'est une ville qui s'intéresse même pas aux autres villes de Louisiane. Elle s'intéresse qu'à elle-même. Elle est enfermée avec son maire, son gouverneur, sa police, son machin, son truc. Il y a 46 000 trucs de police différents. Donc, t'es plutôt, tu vis dans ton état, en fait. Donc tu vis rarement, tu vois, si tu demandes aux gens de Louisiane ce qui se passe en Oregon, les mecs ils savent même pas où c'est l'Oregon, ils y sont jamais allés. Et la guerre en Ukraine, ils en ont quelque chose à faire? Bah, leur président nous a expliqué qu'ils n'iraient pas en Ukraine, les Américains, qu'ils n'iraient pas mourir en Ukraine, mais oui, enfin les Américains sont pas intéressés par l'Ukraine, ils s'en foutent de l'Ukraine. Parce que bon, il faut quand même qu'on soit honnête. Même nous ne savions pas où était l'Ukraine avant ce conflit. On l'a fait un peu à l'école. Tu sais, on a été un peu interrogé quand on était en première. On nous a demandé, je sais pas quoi, il y avait l'Ukraine dedans, mais autrement, on avait tous oublié ce pays, non? Ouais, mais est-ce qu'ils pestent par rapport à l'argent que leur donnent les États-Unis? C'est la population américaine peste par rapport au budget qui est alloué aux Ukrainiens. Enfin, moi, ce que j'en sais, ce que j'en vis, les gens qui habitent, je sais pas où, à Dallas, ils ne sont pas la partie fédérale ne les obsède pas en fait. Ils ne se voient pas comme les États-Unis. Le mec qui est à Dallas, c'est un Texan. Il s'intéresse au Texas, sa vie est au Texas. Après, de temps en temps, il entend des trucs, je sais pas quoi, que le président va faire ci, que le président va faire là, mais c'est son quotidien. Donc, enfin, en tout cas, ceux qui sont aux États-Unis, qui écoutent cette émission, peuvent intervenir ou envoyer un message si on n'est pas d'accord. Mais c'est très difficile d'imaginer l'Amérique, si tu veux, parce que les Américains, ils se voient pas, enfin ils sont américains, mais ils sont d'abord de tel ou tel endroit, de telle ou telle région, tel ou tel état, quoi. Plus que concernés par les décisions de l'État fédéral, sauf quand ça leur tombe dessus à eux, quand il y a un truc fédéral qui les oblige à faire un truc, ils pestent. Mais la politique extérieure américaine, t'en entends pas. Enfin moi, en tout cas, j'en entends pas beaucoup parler, quoi. Comme un peu comme nous l'Europe, tu vois. Nous les Français, on gueule après l'Europe, etc. Mais bon, est-ce qu'on s'intéresse aux positions de la Finlande, ou de la, je sais pas quoi, du Portugal, tu vois? Pas trop en fait. Nous, on vit en France. Quand les Portugais font, je sais pas quoi, on se dit ah ouais, c'est les Portugais, mais on n'a pas l'impression d'être dans le même bateau qu'eux, en fait. Je sais pas si, ouais, si c'est clair. Ils sont quand même liés par un budget. Ils ont quand même très largement financé la guerre en Ukraine. Ils pourraient dire, écoutez, ça me fait chier que mes impôts financent en partie cette guerre-là. Ce qu'on entend en France. Oui, mais ce sont les représentants des États qui vont aller le faire savoir auprès du Congrès, si tu veux. Mais le mec qui habite... ouais, qui habite je sais pas où, à Bâton Rouge, tu vois, le budget de l'Amérique, je sais pas quoi, alloué à l'Ukraine, tu vois, c'est il en entend parler, mais c'est pas ça qui l'anime, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir ce qu'a décidé le gouverneur de chez lui, ce qui va lui tomber sur le rable à lui, les mesures, les trucs et les je sais pas quoi.
Maurice, tu penses qu'il y a beaucoup plus de, il y a plus de gens imposés sur le revenu aux États-Unis qu'en France? Plus de gens imposés sur le revenu, ben ils sont plus nombreux les Américains, hein, donc. Pardon. Proportionnellement, tu penses que les Américains payent plus l'impôt sur le revenu que les Français ou pas? C'était ça ma question. En fait. Oui, enfin comme ça, à vue de nez, je dirais oui. Les gens ne gueulent pas parce qu'ils participent, mais ils veulent savoir où va leur fric, quoi. Mais dans l'État, souvent, rarement la politique américaine auprès de l'Ukraine. Enfin bon, il y a sans doute, il y a beaucoup d'Américains qui s'y intéressent, mais en tout cas au quotidien, moi, les gens que je connais, c'est l'Ukraine, j'en ai jamais entendu parler, je crois. D'accord. Parce que c'est particulier quand même l'Amérique, parce que nous on voit l'Amérique, mais il y a aucune commune mesure entre le mec qui habite à Milwaukee et celui qui habite dans Montana et le mec qui habite à College Station en Floride, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même le même braquet, mais enfin ceux qui sont en Amérique pourraient le dire mieux que moi, mais parce que c'est difficile. On est quand t'es à New Orleans, t'es à 2000 km de New York. 2000. Donc, Et à 3000 de Seattle. Voilà, donc, ce qui se passe dans ces endroits-là, oui, t'en entends parler un peu, mais ce qui t'intéresse, c'est de savoir si ce qui est. Les digues de Pontchartrain, là, je sais pas quoi. Oui, c'est le pont qui traverse. C'est ça. Mais katak katoum, le pont, là, c'est un truc. Un pont de 30 km, hein, quand même, pour ceux que ça intéresse. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Mais enfin, voilà, quoi, Stéphanie. Donc, c'est très difficile. Nous, on a du mal à comprendre l'Amérique. On a vachement de mal à comprendre l'Amérique. Parce que, d'abord parce que moi, la plupart des Américains, même des gens qui sont des universitaires, ne parlent pas de politique. Tu vois, nous, on s'engueule sur la politique. Là, on est là. C'est extrêmement mal poli de parler de politique avec des Américains, bien sûr. Donc, ils sont pas des Anglais. Hein. Donc, ils sont pas dans la controverse, la dispute. Non, par contre, ils parlent fric tout le temps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ils parlent beaucoup plus facilement de fric que nous. C'est-à-dire qu'ils s'échangent leur salaire. Ils se disent, toi, tu gagnes combien? Moi, je gagne tant. Ou alors, combien t'as fait l'année dernière? Moi, j'ai fait tant. Ils ont aucun problème pour parler de ça. Alors que chez nous, c'est un peu tabou, le sujet de l'argent. Ben, il y a moins de jalousie aussi aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Voilà. Si t'as une belle paire de chaussures, tes voisins, ils se disent pas que t'es un enculé parce que t'as une belle paire de chaussures. Ils se disent, tiens, dis donc, il a des belles chaussures. C'est pas qu'un enculé. Voilà, enfin, tu vois, c'est un autre rapport à l'argent, à la réussite. Les Américains donnent beaucoup plus que nous. Les Américains donnent un fric délirant aux associations, aux aides, aux machins. Ils donnent un fric c'est complètement démentiel. C'est énorme, le fric qu'ils donnent volontairement. Mais c'est une autre mentalité, c'est autre chose, quoi. Okay. On va à Strasbourg. On va écouter Alexandre et Zora à Strasbourg. Ils en ont rien à foutre. Ils n'ont rien écouté. Ils étaient en train de se pécoter. Zora a mis une petite. C'est pas très vendredi là, Zora, ce que t'as sur toi. C'est pas très vendredi. Bon, moi je m'attendais à des fringues du vendredi, du décolleté, un peu de téton, enfin des choses qui font rêver les garçons qui sont tout seuls. Mais bon. Zora, voilà, merci Zora, ça c'est mieux. Allez-y. Rien entendu. Vu. Maurice, là, il s'est évanoui. Hein. Hey. Donc, pour celles et ceux qui suivent l'émission, Maurice a disparu donc des ondes de Maurice Radio Libre. Vous le retrouverez dès lundi à partir de 21h. Enfin bon, sauf si Stéphanie vient dès demain à Paris. C'est des postillons qu'il y a sur ton objectif, Alexandre? Parce que c'est tout flou. C'est tout flou. Prosper, youp la boum, c'est le roi du macadam. Prosper, youp la boum, c'est le chéri de ces dames. Eh ouais, Maurice est chevalier. Maurice Chevalier, merci.
Hey, je félicite et remercie Arnaud de trembler en France. Quelle puissance. Ouais, mais je suis vraiment chevalier, hein, je veux dire. Alors c'est marrant cette histoire de médaille, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec quelqu'un et qui est un médaillé aussi. On parle entre nous entre médaillés et je me suis demandé, mais quand est-ce que tu la mets en fait la médaille? Alors il y en a un, il me dit, moi je les mets dans les cérémonies officielles, donc il a une petite médaille et il la met. Mais c'est quoi une cérémonie officielle? C'est compliqué. Parce que, justement, on parlait de choses que tu as. En France, quand tu es situé décoré, donc comme je suis, il faut pas que tu le dises, parce que les gens, ça les énerve, en fait. Ceux qui ne le sont pas. Hein. Ceux qui sont décorés, tu peux discuter avec eux. Mais ceux qui sont pas décorés, alors là, ça les rend dingues. Ça les énerve. Parce qu'eux, ils le sont pas, quoi. Ah, un enterrement. Ah ouais, ah, c'est pas con, ça. Ah ouais. Ah, c'est pas con. Mettre la médaille à un enterrement. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Je vais garder ce plan. Si on fait une... on va faire une émission en direct et en public, comme on n'a pas fait depuis longtemps. Et je mettrai ma médaille. Dac. C'est un officiel, ça, ou pas? Est-ce que ça te va ou est-ce que c'est bien ou pas? Qu'est-ce t'en penses? Qu'est-ce que tu dis? Bon. Ok. Gemma, 39. Elle est à Perpignan. Elle est là. Gemma, Perpignan. Oui. Cérémonie du 14 juillet. Renaud à 55, qui est à Paris. Ouais, tu peux venir avec ton hochet, avec ta décoration, ton hochet. On appelle ça des hochets chez nous. Ah bon? Non, c'est. Ouais. C'est une belle médaille, elle est jolie. C'est, hein. Elle est très jolie. C'est un argot pour les décorations, en fait. Ah bon? Ah, je sais pas. Stéphanie, à 38, à Escaldes, en Gordani, en Andorra, la Bella. Alexandre Ezora, 45-29, à Strasbourg. Présent. C'est vrai, ça. Tu crois, Alexandre, si jamais je viens vous voir à Strasbourg, je mets ma médaille ou pas? Oh ben, fais l'émission depuis Strasbourg. Ah oui, avec plaisir, mets ta médaille. Ouais, je mets ma médaille. Vous allez me fêter ou pas? Ben, bien sûr. Pourquoi elle est floue, ta caméra, Alexandre? C'est Alexandre, elle est toujours floue, sa caméra. Ah d'accord. Mais j'ai quand même... C'est gras sur l'objectif, c'est comment? Non, tout simplement, c'est un réglage à faire. J'ai quand même réussi à voir les seins de Zora. Ah oui, c'est mieux, là. C'est beaucoup mieux. Zora me les a montrés une fois. Ah non, tu laisses flou, toi. Tu préfères flou, Alexandre. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Allez-y, Alexandre, c'est à toi. Et oui, Maurice, bah, j'espère que tu feras l'émission un jour de Strasbourg. Hein, ouais. Ça peut s'organiser. Ah, si Stéphanie vient, je suis d'accord. Bah oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, Maurice. Ouais, ouais, ce serait une bonne idée, ça. Hein. Voilà. Bah oui, bah, en plus, Tony Parker, il est venu, là, champion de basket. Il est venu avec Matt Pokora. Manger. Il faut couper les micros là-bas, c'est... Ouh là là, c'est... En fait, Matt Pokora, il est président de la SIC de Strasbourg, du club de basket, et il rencontrait le club de basket qui est présidé par Tony Parker. Ils sont venus à Strasbourg avec le père de Matt Pokora manger dimanche. Ouais, j'ai vu ça sur... J'ai raté, là. Ouais, c'est chiant, ça m'aurait fait plaisir. C'était bizarre comme ça de voir Tony Parker, là, près de la cathédrale. Et en plus, Maurice, il connaît le... Alex, tu connais le papa? Ouais, tu connais le père de Matt Pokora. Il s'appelle André, ouais, Dédé. Dédé. Il est là-dessus, c'est ça, tu m'attends, Dédé. Ouais, il s'appelle Dédé. Bon, au début, nos rapports étaient un petit peu froids, il était un peu méfiant de moi. Dédé, dit la serrure d'une Europe. Mais là, il est plus en confiance, en fait. On se partage des tuyaux, c'est un grand fan de course. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai jamais voulu voir son fils. Ouais, moi, je l'aime bien, pas parce que c'est le père de Matt Pokora. C'est un monsieur bistrot, il est sympa. Ce matin, bah, j'ai invité Laurent. Laurent, c'est quelqu'un qui va souvent chez Stein. Donc, quand je vais chez Stein,
Et bon, alors je parle de badminton. Bon, ah, salut Laurent. C'est des rapports assez hypocrites, Maurice. J'aurais aimé, oui, c'est des rapports très drôles parce que j'entends leur conversation. Oui, oui, hier j'étais... oui, j'ai un ami, il a acheté une maison à Propriano, tu sais. Ah oui, écoute, je lui ai acheté une bouteille de rosée. Et toi, ah, oui, oui, écoute, oh, tu sais, en fait, ça me fait penser à toi, Maurice, parce que j'ai envie de dire que c'est des gens d'un milieu respectable, en fait. Et voilà, des gens qui ont une vie normale. Mais bon, il y en a qui est dans la radio, l'autre qui... Alors, tu sais, ils sont vraiment dans les... J'entends parler d'endroits. C'est vrai que j'aimerais bien qu'ils m'invitent dans ces endroits, Maurice, mais je me sens rejeté. J'aimerais un jour qu'ils me disent « Ah, écoute, ça te plairait ?» C'est quoi comme endroit ? C'est quoi ces endroits un peu ? Oh, des restos alsaciens, ils vont en Corse, à Propriano, ils vont en Italie, ils vont dans des hôtels. Ouais, mais ils doivent dépenser un peu de pognon que t'as pas, Alexandre, aussi. Hein. Parce que, oui, bon, à Propriano, bon, c'est... Là, c'est... Hey, quand le mec apporte l'addition, ouais. Hey, si t'es en fait, pas, si t'as pas pris ton élan, si t'as pas pris ton élan, t'es noyé. Hein. Ah bah ça c'est des extrêmes humoristes que je mets au fond de moi, ouais. Que je réutilise. Ouais. Mais en fait, au fond, si tu prends pas ton élan, t'es noyé. Hein. Bah oui, bah ça veut dire que d'accord. Tu pourras dire à quelqu'un comme ça quand tu vas à ton PMU, pour dire à quelqu'un tu seras ruiné ou dire qu'un endroit est cher. Tu dis, ah bah, si tu prends pas ton élan, t'es noyé. C'est pas mal. Et là, la personne, ton interlocuteur, il dit, putain, il parle bien, lui, hein, il a. Ouais, ouais, j'aime bien Maurice, tu sais, tu. Ouais, en fait, Maurice, il faut surtout. Non, ça demande juste une connaissance, parce que à Propriano, il y a la mer. Si jamais tu paies pas ton addition, les mecs t'y noient. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il fallait comprendre. J'ai pas compris, Maurice. L'image, l'idée, c'est de te dire à Propriano, en Corse, il y a la mer. Oui. Et si tu prends pas ton élan, t'es noyé. Ça veut dire que si jamais tu peux pas payer ton addition, les mecs risquent de te noyer. Ah, oui. Et bon, en fait, c'est surtout un mec qui a construit une maison à Propriano, donc il est vraiment. Et en fait, ce que je veux dire. Ce que j'aime aussi. Attends, il faut que tu coupes. Gemma, faut couper. Il y a le monsieur qui te parle là. Il y a le monsieur Gemma. Désolé, autant pour moi. Ouais, non, mais tu peux parler avec le monsieur, mais coupe ton micro simplement. Comme ça, tu peux parler avec lui. Et nous, on peut écouter Alex. Pas d'habitude, c'est la première fois. Oui, mais oui, c'est pour ça que je te le dis. Si elle parle en coupant son micro, ça va être génial. Ben, si elle parle au monsieur en coupant son micro, c'est super. Puisque le monsieur, bon, c'est une conversation qui ne nous concerne pas. Ah oui, qu'elle parle au monsieur qui est chez elle. Voilà, qui est dans sa maison. Alexandre. Parce que si tu non, parce qu'elle ne parle pas avec Alexandre, justement, donc on n'entend pas ce que dit Alexandre. Puisque... Oui, tout à fait. Voilà, comme ça, c'est bien foutu. Ça marche, merci. Alors, ben, monsieur Pêche, il allait m'écraser en voiture aussi à Strasbourg. Alors bon, parce que bon... En fait, j'étais dans la rue de Strasbourg, j'étais avec mon vélo et je l'ai rencontré par hasard. Il a coupé un virage. Et alors, bon, on s'est revu chez Stein. Il me dit, ah, j'allais t'écraser. T'as mal roulé. Il me dit, heureusement que c'était toi. Hein. Alors, bon, moi, j'ai fait profil bas. J'ai fait, oh, bah, vous avez coupé le virage. En fait, je l'ai vous voyez. Et alors, il y en a une qui se met là à la conversation. Ah, il est respectueux. Il vous a tutoyé, Didier. Hein. Alors, bon, voilà. Bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai... Avec qui, moi je le respecte, hein, j'ai beaucoup de respect. Voilà, après, moi j'aime beaucoup quotidiennement prendre mon petit-déj avec ses habitués, ça crée une... Quand tu connais l'ambiance, moi j'aime bien. Je crois à la cannelle et Laurent, ben, ce matin, je dis, Laurent, tu veux boire un express? Souvent les gens disent non, lui il a dit oui ce matin. Il me dit, il me regarde, il fait, oh ben pourquoi pas. Bon ben j'ai payé l'express. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus, des liens, mais je le fais parce que j'avais envie. Ça m'a fait plaisir, Maurice. Bah, tu l'as fait parce que t'étais coincé, surtout, je pense. tu l'as fait en pensant que le mec te dirait non, c'est bon. Hein, c'est ça, non, tu l'as fait en te disant que le mec te dirait non, c'est bon, c'est pas la peine. Exactement. Hein, tu t'es coincé quand même. Ouais, je vais être franc, ouais. Ah. Ouais, je l'ai fait. Je suis un vrai connard, je sais. Ouais.
Mais tu sais, Maurice, aujourd'hui, Zoral est ressorti. Donc, pour celles et ceux qui suivent l'émission, donc Zara a eu une faiblesse musculaire samedi dernier. Donc, elle a été transportée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée 3 jours. Et ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on a fait une première marche. Ouais, on a marché durant... Écoute, elle a fait, on peut dire, un bon kilomètre. Un bon kilomètre. Et ça allait bien. La fille de 29 ans, on est tout content parce qu'elle a fait un kilomètre en marchant. Pardon, excusez-moi. Maurice, non, ne le prends pas mal, Zora, ne le prends pas mal. Allons. Hein. C'est le côté. Quand tu sors de l'hôpital et que t'étais. Tu sortais plus ta chambre et t'étais. T'as pris une ponction, t'étais coincé au lit. Voilà. T'as peur de plus sortir tes jambes, tu sentais rien. Et là, d'un coup, là, bam, deux jours après, bam, tu marches. Ça va, hein? Je pensais ne plus marcher de ma vie. Hein. Voilà, ça s'est bien passé. On a mangé un doner kebab. On a repris nos activités habituelles. Parce que bon, ça change quand même de la bouffe à l'hôpital. J'ai pas pris de doner. Félicitations à elle, elle a tout mangé. Et je suis devenu le diététicien de Zora, Maurice. Oh. Zora a décidé d'avoir une autre hygiène de vie. J'ai dit tu es le capitaine de bateau. Et je suis devenu son nutritionniste, son diététicien, Maurice. Et son livreur. Voilà. Donc, on va... Donc là, j'ai acheté aussi ce matin au marché. J'ai fait le marché. J'ai acheté 4 boules de betterave cuites, prêtes à manger. Donc, je dis, Zora, tu vas manger ça. J'ai acheté du jus, Maurice. Pomme, poire, poing, à 3 euros. J'ai acheté un morceau de Beaufort d'été, Maurice. Magnifique, oh, il est crémeux. Oh, le fromager, il m'a dit. J'ai dit, vous savez, il était très très bon, votre. Et il me dit, ah oui, il est excellent. Il coûte 47 euros le kilo. Bon, j'en ai pris 100 grammes, toujours 100 grammes. 5,10 €. Et je suis allé chez Sourika acheter 4 tranches du pain aux graines, Maurice. Un pain magnifique. Donc voilà, j'en ai eu pour 11 euros. J'ai acheté une petite pomme aussi. Moi, je suis très à l'unité. Hein. Je regarde, je prends très très peu, mais je prends de la qualité. Zora, elle a mangé ses 4. Elle a mangé une petite boule de betterave. Elle a pas l'habitude. Je le coupe en petits morceaux. J'aime bien donner à manger à Zora comme un bébé, Maurice. Ça, j'aime bien. Donc, elle ça, par contre, aussi, il faut que tu en parles à ton médecin traitant de cette histoire, Alexandra. Faut t'en ouvrir à lui. Pardon? Il faut t'en ouvrir à ton médecin traitant cette envie de donner à manger à Zora, hein. C'est... Je pense que ce serait bien. Je lui en parlerai. Mais et puis bon, après, c'est vrai que dans le tram, ce qui m'a choqué, enfin dans le bon sens, c'est que Zora elle a fait des grands pas, une assurance. Donc en fait, comme elle a été sur corticoïdes, ça lui donne un coup de boost sur un mois et demi. Et là. Bon, elle va suivre des séances de kiné, donc la marche va être plus agréable. On va essayer de conforter notre quotidien. Voilà, ça c'est pour le côté médical. Parce que bon, c'était une mouvementée. Moi, il faut que je me repose aussi. Attends. Mouvementée pour qui? Pour toi ou pour moi? Moi, ça y est. C'était pour moi. Hein. Pour toi? Ouais. Moi, Maurice, ça m'a exténué. De quoi? J'ai eu un effort exceptionnel d'aller à l'hôpital lui apporter quelques nourritures et de revenir chez moi. Jamais je me laisse imaginer si j'avais un enfant, je ne pourrais pas m'en occuper 24 sur 24. Moi, je dois penser à moi, je dois penser à me reposer, me ressourcer, aller au PMU, je dois souffler. Moi, l'effort, c'est pas mon truc, Maurice. L'effort dans la longue durée, non, non et non. Tu sais, Maurice, je vais te dire quelque chose. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de. Repos ou vacances? Cet après-midi, je dis écoute, après le kebab, on va chez Riz. On s'est installé. Maurice, alors là, j'étais mécontent. Il n'y avait pas de place sur la terrasse. Et j'ai dit excusez-moi, je prends une forêt noire. Elle me fait ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. J'ai fait bon, vous mettez des croix quand j'arrive. Elle me fait non, mais bon, vous nous avez manqué quand même. Elle était toujours gentille. Et là, je prends une forêt noire. Mais moi, j'aime bien la manger fraîche. Mais vraiment froide en fait.
à la seconde que quand je sors, je prends ma petite cuillère et je mange. Et là, elle me dit, oui, allez sur la terrasse. Et en fait, il n'y avait plus de place sur la terrasse, donc on est allé en haut. Et en fait, il faut monter la pâtisserie en haut et la mettre sur une grille. Et en fait, elle est restée 5 minutes sur la grille, donc c'était plus appréciable. La serveuse en haut, elle a oublié, puisqu'il y a une équipe en haut, une équipe en bas, elle a oublié de me servir le café. Ça faisait 10 minutes que j'avais fait ma demande. Et j'étais pas content. La chantilly commençait à tourner. J'ai bouffé ça, je suis parti. Et j'ai dit, très franchement, j'ai passé un très mauvais moment. Elle me dit, ah, pourquoi ? J'ai dit, bah, écoutez, voilà, la prochaine fois, je prends emporter. Je veux dire, j'ai mis du temps à être servi. La tarte, elle n'était plus trop fraîche. Elle était fraîche, mais pas appréciable. Moi, j'aime bien la manger vraiment fraîche, en fait. Donc, je suis déçu. Déçu. Et ensuite, on est allé au hall. Ensuite, on s'est acheté des bonbons. Moi, j'ai horreur des bonbons. Zora, bon. Moi, j'ai pris un bonbon à l'unité, en fait. Hein. Nous sommes le 5 avril et nous fêtons les Gérard. Gérard, tant que tu écoutais, mi-Gégère, elle est butée, elle. 1794, décès de Camille Desmoulins, guillotiné en même temps que Danton. Danton n'est pas mort, on ne l'a pas tué, parce que Danton est une force. Je suis immortel parce que je suis le peuple est avec moi. Sa femme le suivit sur l'échafaud 8 jours plus tard pour avoir protesté contre son exécution. 1832, naissance de Jules Ferry à Saint-Dié, père de l'enseignement gratuit, membre du gouvernement provisoire et, pour quelques mois, maire de Paris. 1908, dite Bette Davis, actrice américaine. 1908, naissance d'Herbert von Karajan. Chef d'orchestre autrichien. 1955, malade et... Sir Winston Churchill démissionne. En 1968, Simon et Garfunkel sortent la chanson. 70, naissance de Valérie Bonneton. Actrice française. 5 avril 1973, naissance de Pharrell Williams. Auteur, compositeur, interprète, réalisateur artistique, musicien, styliste pour LVMH, rappeur américain et producteur. 1994, Kurt Cobain du groupe Nirvana se suicide. Vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein. Verseau. Votre entourage est chaleureux et vous donnera de grandes satisfactions. Ne restez pas dans votre bulle. Allez, encore une nuit blanche, à t'en payer une bonne tranche. Combien? 40% en moins. 40% en moins. Mes lunettes? Comment ça, j'en ai pas? Alors je vais en acheter, tiens. Les lunettes Geist, ça c'est la classe à la française. Fonce dans la boutique. Comment ça tu connais pas la boutique? T'as pas compris que c'est grâce à toi que Maurice Radio Libre va pouvoir durer? Et un magnet? Oui! Un mug? Ah oui! Un support téléphone? Ça aussi! Un putain de best-of? J'en veux un! La BD peut-être? Moi d'abord! La photo dédicacée pour toi par Maurice. Ah oui! Alors fonce faire un don. Et encore merci à ceux qui ont compris. La nourriture aux États-Unis, quand on aime cuisiner, on trouve les ingrédients nécessaires à l'élaboration de bons petits plats. Oui, mais justement, j'ai dit que c'était possible, mais que c'était plus onéreux et plus compliqué, quoi. Le poisson et la viande sont de très bonne qualité, c'est vrai. Tout dépend, hein, tout dépend où tu te trouves. C'est-à-dire le poisson à New Orleans, le poisson du Golfe, pas trop. Par contre, chez toi, là, oui, le poisson, il est bon. La viande, ouais. Sont de très bonne qualité à Sarasota. Il y a d'excellents restaurants. Si l'aventure tu passes dans le coin, je te promets une excellente expérience culinaire. Quand j'entends certains intervenants de l'émission, il me semble que désormais les Français se nourrissent de McDo, de plats préparés et de kebabs. Ouais, malheureusement, c'est un peu vrai. Dans ma cuisine, le micro-ondes est neuf. Il me sert juste de rangement pour mes torchons et il flotte une bonne odeur de bœuf bourguignon. Stéphanie a dit... Stéphanie a dit qu'en Andorre, elle n'a plus besoin d'être vigilante et se sent plus relaxée. J'ai exactement le même ressenti en vivant aux USA. J'étais tellement traumatisé par la France que j'ai mis un temps avant de sortir mon téléphone dans la rue ou de le poser sur une table en terrasse. Ouais, je te comprends. Ici, je peux m'habiller comme bon me semble et je n'ai jamais, où que ce soit, été importuné ou insulté en raison de ma couleur de peau, de cheveux et du... Ici, il n'y a pas de jeûne, terme hypocrite, mais politiquement correct. C'est sans doute pour cela qu'il fait bon vivre.
hors de cette France qui ne fait plus guère rêver que les migrants. Bonne émission, je t'embrasse et rock and roll. Claire, ah ben dis donc, ça c'était une paire de tartes. Hein. C'était bien servi, elle était chaude celle-là. Bien envoyée. Un message d'Arcas, il a 41, il est toujours sur la 6. Alexandre n'arrête pas de dire qu'il est exténué des efforts qu'il a fait pour la femme qu'il aime. Il dit qu'il se rend compte, après cette épreuve, qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant et s'en occuper 24 heures sur 24. Mais s'Isora a vraiment la sclérose en plaques, a-t-il conscience que dans le futur, il va devoir s'en occuper H24 ? Je ne suis pas expert, je n'ai pas fait de recherche, mais il me semble que c'est une maladie qui ne se guérit pas et qui est dégénérative. Eh ben. Ah bon, par ici, Gemma, elle a 39, elle est à Perpignan. Elle est là, Gemma. C'est bien, Gemma. C'est très bien. C'est très bien, Gemma. Il y a Renaud qui a 55, qui est à Paris. Ouais, je suis là. Stéphanie. Et ouais, Stéphanie a 38, elle est à Escaldes, en Gordanie. Ah, en Andorre, à la Vela. Pas loin de Gemma. Stéphanie? Oui, je suis là. Ah, super. On a failli arrêter l'émission. Bon, je déconne. Alexandre et Zora, 45-29 à Strasbourg. Présent. Et oui, Alexandre et Zora, puis après on va aller écouter Gemma à Perpignan, puis Renaud à Paris. Allez, c'est vrai que c'est toujours embêtant, Maurice, parce qu'il y a plein de sujets dans la journée où je veux te parler, il faut que je me les note, et le soir, des fois, j'oublie. Je fais, ah, et le lendemain, je fais, oh mince, je voulais parler de ça, vous voyez, c'est chier. Ça m'énerve. Mais en fait, Maurice, ouais, puis on a de nouveau fait petit câlin. Là, c'était touche-chat et masturbation. Donc, Zora, elle s'est épilée les poils de la chatte. Bon, c'est pas mal. Moi, je m'attendais à qu'il y ait des poils, il n'y avait pas de poils, donc j'étais un petit peu étonné. Mais c'était, ouais, un petit moment d'excitation, on n'avait pas de capote, moi j'avais le sexe dur. Il a durci en quelques secondes, ouais, une vingtaine de secondes. Et là, j'ai un autre amour pour Zora Maurice sur le plan du romantisme. Je l'ai embrassée, elle pourra le confirmer. Je l'ai embrassée avec la langue, j'ai beaucoup... Oui, ben oui, Maurice, j'ai eu plus il de... Il parle de sa gonzesse, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai eu plus d'affection sur le plan de la lèvre. Elle m'a mis la langue dans ma bouche, je l'ai ouverte. J'ai vraiment montré, entre guillemets, de l'allant, comme un remerciement. On était dans un romantisme amoureux. Ensuite, elle a enlevé son seau. Je lui ai touché les seins, je lui ai embrassé, et tout doucement, je lui ai mis un petit doigt. Ouais, je lui ai caressé le vagin, j'ai commencé à masturber. Et j'ai dit, ouais, bon, on n'a pas de préservatif, on va pas. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, je me masturbe et je te touche. Donc moi, bon, j'ai éjaculé plus rapidement qu'elle a eu son plaisir. Ça, c'est toujours embêtant. Parce que moi, je me suis retenu avant d'éjaculer, mais je dis, bon, je gicle. Oui, j'ai giclé juste en bas de mon nombril. Et puis après, je suis resté un peu avec elle. Je dis, bon, je vais me laver quand même. Ouais, c'était un petit moment sympa, je trouve. On s'est un peu retrouvés. Enfin, je trouve, hein, je t'ai plus embrassé. C'était quand même, hein. Ouais, c'était quand même. Est-ce que j'ai fait des efforts dans le bisou? Oui. Ouais, quand même. Ouais. J'ai pris le temps. Zora a senti la transpiration pour la première fois à l'hôpital, en fait. Ah ouais, Maurice, c'est la première fois que j'ai senti, ouais. Donc pour celles et ceux qui suivent l'émission, j'ai toujours dit que je ne sentais jamais d'odeur chez Zora. Et c'est vrai que là, quand même, au bout du suspense, bon, quand tu... Je suis douchée. Durant 3-4 jours. Ah ouais, elle sent, Maurice, quand même. Hein. Mais c'était une transpiration naturelle, Maurice. C'était pas une transpiration de fille, tu sais, qui pue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme certaines femmes. Non. C'est une odeur de... De métal, tu sais, de métal suintant, de rouille, tu sais, c'est dégueulasse, tu sais. Ouais, ça sentait. Bon, après, je l'avais rasé sous les bras, j'ai mis un petit peu de Ushuaïa. Parce qu'il faut toujours, attention, j'ai un conseil esthétique à donner aux gens. Si vous vous nettoyez sous les bras avec du savon et que vous avez des poils, si vous vous rincez et que vous sentez sous les bras, et ben vous sentirez encore la transpiration. Alors que si vous vous rasez sous les bras et que là vous mettez du savon, ensuite faut vous raser avec du savon, vous rincez, ensuite vous vous remettez du Ushuaïa,
vous vous rincez, et là, vous pouvez faire j'ai grandi de 84 cm d'un coup. Et vous remettez du parfum, vous sentez, et là, vous ne sentirez plus du tout la transpiration. Vous savez, c'est vraiment un conseil, parce que c'est très bien. Attends, voilà. Ça, c'est trop d'infos d'un coup là. Ah c'est prodigieux. Ah moi j'ai pris des notes hein, personnellement. J'ai juste la longueur des poils que j'ai pas noté. Ça enlève du prodige. Je pense que c'est, tu vois, je sais pas si on verra mieux un jour. Je sais pas. Et donc voilà. Et bon, par contre le Ushuaïa, il faut prendre le Ushuaïa. Oyong de Madagascar. C'est le paraben. C'est le mauve. Il est de couleur mauve. Il est de couleur mauve. Moi, tu vas dire sur cette marque, je kiffe ça. Ouais. Maurice, c'est parce que c'est vendredi que c'est comme ça. Ouais, j'espère. Il y a de l'huile de Madagascar dedans. De l'huile de Yong, ouais. Ouais. De l'huile de Yong, c'est ce que c'est l'huile de Yong. Ah non, mais. Ça me rappelle une BD de Bob Moran, tu sais, Ushuaïa, l'huile de Yong. Je suis resté 5 ans à Madagascar, mais j'ai pas entendu parler de l'huile de Yong, Violette. Alors ça, c'est ça, Maurice. Désamianté, il y a marqué. Délassante. Et quoi? S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Hein. Ah oui, bah oui. Ça, ah oui. Ça est le jus de perle. Ça, c'est vrai. Li-Lang de Madagascar. Ah, de Li-Lang, oui. Li-Lang. Ah oui, Li-Lang. D'accord. Et là, il doit y en avoir beaucoup dans le flacon plastique, là. Je le sens bien. Et donc, vous savez, et c'est très parfumé. Et c'est vrai que je pense que j'aurais dû, je vais me lancer. Il faut que je lance mon entreprise quand même, que je me lance dans un business de... Ouais, ça c'est bien, ça c'est du délaçant, du... De l'hygiène, le toilettage de chien. Non, ça rapporte trop de pognon par contre, le toilettage, c'est trop de fric. C'est fatigant après, hein, mais bon. Je trouve que les hommes, les beaucoup d'hommes se laissent aller et n'arrivent pas, moi... on était chez Sephora, là j'ai pris du parfum, Zora m'a senti comme si j'étais un homme de 19 ans. J'ai mis du Dior boisé. Ouais, on allait chez Sephora, moi je me parfume, jamais j'achèterai un parfum. Dior boisé. Je vais au Sephora Place Dial, je me mets deux petits coups de parfum et c'est pas pour 4 heures. Du Dior boisé. Ah, j'en peux plus. Oh non. Pardon, je coupe mon micro. Et c'est vrai que ouais, j'ai essayé du Dior et là Zora me dit putain, tu te sens trop bon. Ouais, ça fait plaisir, j'ai l'impression de retrouver mes intentions. Ah, le mélange avec l'ilang d'Ushuaïa là, ça va être quelque chose, ouais, ça. Ah, c'est super. Ouais, ça doit pousser le mélange des deux là, je sais pas quoi, boisé de chez Dior et tout ça. En fait, faut mettre un petit peu dans la main et en fait, vous en mettez vraiment sous les bras. C'est ça douce. Ah, du gel douche, on se met directement le gel douche sous les bras. Ça, oui, c'est très technique. C'est ce que je conseille. Ouais, moi, j'en utilise pas de gel douche, donc bon. Mais vous avez la soin de la peau qui aspire, donc le gel douche, il est directement à la peau. Vous le laissez un petit peu agir, et ensuite vous rincez. Eh oui. Et ensuite vous mettez le Ushuaïa jaune. Ouais. Et c'est pas mal parce que. Mais ça, on le garde pas sous le bras, simplement le truc en plastique. Rouler à la main sous les aisselles. Ouais, parce que bon. Et vous ne sentirez plus jamais la transpiration. Ouais. Franchement, plus jamais. Ouais. Et tu sais, Maurice, tu me connais, je suis un professeur de l'hygiène, Maurice. Je veux dire, j'ai toujours fait preuve de propreté. Bon, Maurice, écoutez-moi. Donc. Ce truc là, de la langue là, de la langue là, ça va. Qui t'a éclaté? C'est toi. D'accord. Ushuaïa, qui t'a éclaté? C'est moi. Quoi? Non, moi je prends toujours la marque Ushuaïa. Ushuaïa? Ouais. Tu sais pas qui c'est? C'est mon shampoing douche. C'est pas vrai, c'est mon truc acheté? Non, c'est mon shampoing douche. Non! Le déodorant. Ah, le déodorant, c'est toi? Ouais. Modèle, c'est moi. Ouais, mais la marque, c'est moi. Mais toi, tu es plus dans le. Ushuaïa modèle, tout? Ça, c'est toi. C'est pas que ça. Ouais, c'est toi, ouais. Mais moi, j'achète que le gel douche, j'achète pas le déodorant. Non. Parce que bon, moi, je prends mon Ménel, hein. Je veux dire, les gens qui... Moi, je déplore les gens... En fait, les gens qui achètent du parfum, c'est des gens qui puent, en fait.
Enfin, excusez-moi, mais ouais. Je veux dire, moi, je me mets juste du Ménen et ça sent bon du Ménen à 4 euros ou du Axe à 3 euros. Moi, que les gens, moi, ça, je comprends pas, par contre. Pourquoi ils investissent dans du Givenchy je mets du Axe à 1,50€ et ouais. Ils sont beaucoup plus longs. Tu le mets directement sur tes chaussures sans changer de chaussettes, ça. Voilà, à l'extérieur des pompes. Comme ça, ça sent bon. Vous voulez dire un truc, Maurice? Oui, oui, directement dans le slip, dans la poche kangourou du slip, moi je dirais. Ouais, je vous ai posé la question. Écoutez, c'est la question. Quand on achète des parfums de marque, ok. Ou pas que des parfums. Mais genre, vas-y, exemple, ouais, le parfum, c'est bien. C'est vraiment l'exemple de parfum. Un parfum, Giorgio Armani. Giorgio Armani. Tu vois, tu vas aller sur Sephora parce que c'est ça qui est cher. Hein. Ils te le vendent un petit millimètre, ils te le vendent à 80€, 100€. Le plus grand, ils te le vendent, ils vont acheter encore 50€ de plus. Donc ça fait 250€. Plus le plus grand, c'est vraiment plus grand, lui. Vraiment. 300 balles. Et je me dis, merde, tu vois, ouais, c'est un parfum, c'est tout. Mais c'est juste la qualité, le nom de la marque qui va faire qu'il est cher. Alors, tous ces gens-là, toutes ces marques-là, des noms qui sont connus comme ça, ils sont fait connaître pour qu'à la fin, ils font leur affaire pour que tous les gens dans le monde achètent leur parfum. Zora, tu sais comment c'est fabriqué un parfum? Comment c'est créé et fabriqué? Voilà, parce que un parfum, c'est que dalle. Ça sent bon. Non, c'est pas que dalle. Non, c'est de l'alcool, c'est ça? C'est de l'alcool, des essences d'alcool? Non, alors ça, c'est l'eau de toilette, mais sinon, le parfum, comment il est créé par les créateurs de parfums, tu sais comment ça marche ou pas? Vas-y, moi, je veux bien vous y raconter. C'est de la fleur? Non, il y a plein de choses. Il n'y a pas que de la fleur, mais en fait, ils ont des orgues à parfum. Tu vois, les mecs, ils ont des orgues de parfumeurs. C'est des petites fioles dans lesquelles il y a des papiers buvards. Alors, ce sont des gens qui ne fument pas, qui ont une alimentation extrêmement équilibrée, qui vivent en odeur de sainteté, si je puis dire. Et c'est ça que tu payes quand tu achètes le parfum. Tu payes ce créateur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que d'autres, et c'est pour ça que tu m'excuseras, mais le Rexona de Alexandre, en fait, il sentira jamais comme du Gentleman de Givenchy, tu vois, par exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, le Gentleman de Givenchy, il a été étudié pour avoir plusieurs notes au cours de la journée. Alors, après, évidemment, faut que ça se marie avec ton odeur personnelle, hein, tu vois, mais ce sont des parfums qui sont élaborés. C'est pas des parfums qui sont fabriqués comme ça, juste pour te remplir les trous de bras. C'est ça que tu payes, en fait, quand tu achètes du numéro 5 ou du je sais pas quoi. Je crois que c'était un des parfums les plus chers du monde, c'était Joy de Patou. Je crois que les 5 millilitres valaient une fortune. 5 millilitres ou 10 millilitres, je ne sais plus. Ouais, mais alors là, c'est de l'eau de parfum, tu vois. Enfin, non, c'est même plus, c'est de l'essence de parfum. T'as même pas d'alcool dedans, t'as rien du tout. Mais en fait, c'est pourquoi les parfums sont chers, c'est aussi parce qu'il y a des composants qui sont chers dedans. Par exemple, je vais te dire n'importe quoi, mais il y a des parfums avec du musc. Il y a des parfums avec du vétiver, il y a des parfums avec du bois de santal, avec de l'essence. Donc pas forcément des fleurs, mais aussi des arbres ou des substances animales. Genre c'est des... C'est pour ça que c'est cher. Oui, c'est ça. Les composants du parfum, en fait. D'accord. Il faut l'avoir. Oui, tu vois, par exemple, tu vois, je vais prendre un autre exemple. Tu connais le safran pour la cuisine? Ah ouais, bah oui, c'est voilà, cher. Bah, tu vois, ça coûte très cher. Bah, c'est la même chose, en fait. Ah, ouais, d'accord, je comprends mieux. Voilà. Ouais. Tu parfumes à quoi, toi? Ah, merci de m'avoir. Moi, je me parfume. moi, je suis très Givenchy, moi. Je suis très gentleman de Givenchy, ouais. C'est un vieux parfum. Maurice, et toi, Maurice, sans indiscrétion, tu te parfumes à quoi? Moi, je vais chez un artisan parfumeur, un artisan parfumeur qui est à Paris et dans le Marais. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est toi qui l'as composé, Maurice, ou c'est non, tu non. as pris une composition de quelqu'un? Non, non, ce sont des compositions du parfumeur. D'accord. Du nez, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Très chouette, j'aime beaucoup. Il y en a un qui est très très bien, je vais lui faire de la pub, parce qu'il n'est pas très connu. C'est un parfum qui s'appelle Triskel.
Alors c'est la marque, hein, Triskel, c'est un parfum qui a été créé en Bretagne. Je lui fais un peu de pub parce qu'en fait il est assez bon ce parfum. Voilà, il est assez cher mais assez bon. Triskel, T-R-I-S-K-E-L. Maurice, une question, 200 euros pour un parfum, c'est cher ou c'est comme l'alcool, les bouteilles, c'est bah, tout dépend du volume, je veux dire, si c'est 15 litres, c'est pas cher. Non, mais je veux dire, il y a des parfums très rares qui coûtent très 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 cher. Non, mais honnêtement, les parfums de la grande distribution, moi, c'est un peu comme la bouffe de la grande distribution, ça me laisse souvent pensif. Voilà. Ah, donc je cher ouais parce que enfin cher je sais pas quoi te dire on accorde ses dépenses au pognon qu'on a dans sa poche hein bon ensuite bah c'est ça peut être le prix que t'as décidé de mettre dans un parfum bon mais je crois pas qu'il faille classer les parfums en prix. Tu vois, je pense que c'est plutôt la personne qui les fait qui a de l'importance, un peu comme disait Renaud tout à l'heure. C'est ce qui est important, voilà. C'est la façon, comme, tu vois. Et les noms des marques, c'est ces gens-là qui font. Genre Giorgio Armani. Attends. Zora, les noms des marques, ce sont des noms de gens. Ouais. Ce sont des noms de personnes, d'accord. Oui, voilà. C'est-à-dire que même tu as cité un Italien tout à l'heure quand tu disais Armani. Bon. Voilà, mais ce monsieur, au début, il ne faisait pas de parfum. En fait, il a employé des nez. Il n'était pas parfumeur, il n'était pas créateur de parfum. Il était, je crois, tailleur. Je ne sais pas, il faisait dans la mode, je crois. Bon, et après, il a payé des nez, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des nez pour créer des parfums. Tu vois, mais sinon, la plupart du temps, à mon avis, les meilleurs parfums sortent des maisons de création de parfums. Pardon ? Toutes les marques qui sont dans les. Non, mais tu vois, Chanel, par exemple, c'est pas une marque de parfum, mais ils ont payé. Voilà. Et Chanel avait payé un des meilleurs parfumeurs de Grasse, la ville de Grasse, pour lui faire le numéro 5. Ah, d'accord, oui, voilà, on va chercher. Bah oui, ça va chercher, mais en même temps, ça fait du blé, hein, puisque je crois que c'est grâce à ça que la France est la première industrie de luxe au monde. Aussi, enfin, grâce au parfum aussi, il n'y a pas que les sacs Vuitton, quoi. Il y a aussi, effectivement, les grands noms des parfumeurs français, quoi. Mais tu sais, Renaud, tu sais, quand je te parle de marque, après, j'ai dit que c'était un exemple, les parfums, mais il n'y a pas que les parfums, hein. T'as les avis. Ah non, il y a les huiles de vidange aussi. Il y a les huiles. Les huiles de vidange, il y a tout. Hein. Et l'oral. Ouais. C'est très. Allez, on va aller écouter Gemma à Perpignan. Gemma, tu es là ? Bien sûr, je suis là. C'est à toi la main, Gemma. Tu peux parler de ce que tu veux. Alors, moi, je vais vous parler et vous dire que, franchement, je suis très contente de vivre ce moment. Même si pour vous, je ne sais pas qui a l'habitude ici. Moi, pour moi, c'est une grande première et franchement, ça me fait super plaisir. Tout simplement. Après, vous donner un sujet en particulier, j'en ai pas. Non, mais là, déjà, il n'y a pas de bruit derrière toi et c'est génial parce que. Ouais, vous savez pourquoi ? Parce que nos enfants dorment. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on t'appelle, il faut juste que tu coupes le micro et qu'il n'y a pas de bruit. Alors c'est pas Stéphanie qui te parle, c'est Zora. C'est Zora qui te parle, Gemma. Zora, eh ben j'ai respecté ça. Il a fallu 3-4 fois avant que je comprenne. Il fallait que je coupe mon micro et que voilà. Super. Génial. Bienvenue chez les francophones de Maurice Radio Libre. C'est pour ça que je précise que c'est une grande première pour moi et que ça me fait super plaisir, cette nouvelle expérience. Et franchement, je kiffe. Merci à vous. Parfait, super. Merci de me redonner la parole aussi. Ça me touche. Alors ça, c'est exceptionnel. Hein. D'habitude, il ne le fait jamais. Je ne sais pas comment ça se passe habituellement. Bon, en tout cas, très très heureuse et merci de m'avoir laissé m'exprimer. Et voilà. T'es quelqu'un de très agréable, tu vois, en tout cas. C'est réciproque. Vous de même. Vraiment, sincèrement. Ça me touche.
Je peux poser une question, même qui peut paraître bête. Comme j'y connais rien, on peut appeler tout le temps. Ben oui, on appelle quand on veut, Gemma. On appelle quand on veut, du lundi au vendredi, quand on veut. L'émission existe depuis 30 ans, 32 ans. Ça fait 32 ans. C'est la plus vieille émission de conversation du pays, de France. Hey. Ah oui, ah ouais, quand même. Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Ouais. Vraiment, ça s'arrose. Mais ouais. Allez, hop, champagne. Stéphanie, viens. On apprend tous les jours. Maurice, quand même. La plus vieille émission de conversation du pays. Ah ben là, quand je vais présenter ce, quand je vais faire la pub pour Maurice Radolib, la plus vieille émission de conversation du pays. Bon, tu peux dire la plus, la plus ancienne, c'est peut-être. Ça, c'est depuis la mort de Mimi Grégoire. Ouais, ouais, bah, j'ai apporté depuis que je leur sers du thé, ils meurent, les autres. C'était pas Mimi Grégoire qui tenait le record avant? Mais moi, c'est possible, ouais. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus d'émissions de conversation. Non, il n'y en a plus, ouais, mais ouais. Je me demande si Méné Grégoire, je ne sais pas, je crois qu'il est resté plus de 30 ans. Ouais. Enfin, je ne sais plus. Et oui. Je sais plus la personne qui a un truc à me demander. Ben, c'est à toi la main, Gemma, donc tu peux demander ce que tu veux. Voulais me demander quelque chose. Ah oui, c'est Alexandre, je crois, non, qui voulait te parler. Moi? C'est moi, je voulais dire juste, tu sais, quand t'appelles la radio, c'est du lundi, comme il a dit Maurice, du lundi au vendredi, mais t'appelles à 21h jusqu'à minuit. Mais après, tu peux pas appeler après. Mais quand t'appelles, bah, il faut que tu t'envoies d'appeler, t'as un sujet de discussion, t'as un parrain pour parler, parce que t'es pas bien, ou que t'es bien, ou que t'as envie de raconter ta soirée, ou ta journée, ou ce que t'as fait aujourd'hui. Ou ton gel douche. Ouais, ouais, voilà, ton gel douche, ça c'est important, ça. Après, je suis quelqu'un de spontané, mais j'ai pas eu forcément de sujet. Hein. J'ai appelé vraiment par rapport. Mais parce que tu crois qu'Alexandre, il en a des sujets, tu vois, mais il dit que tu veux la brasserie, ça, tu vois, il parle de son gel douche et de la brasserie Stein. Tranquille, quoi, tu vois. Pour pas forcément avoir un sujet. La personne a l'air de me dire qu'il faut avoir un sujet ou autre. À expliquer. Tu peux même parler de tes enfants, de femmes. Une question de Gemma, tu n'as. Tu peux parler de toi, toi. Tu peux parler même de toi. De femmes. Non, tu parles de tes préoccupations, de coiffure, ou t'as fait un brushing, ouais, tu veux pas une coiffure, t'as pas réussi. Tu n'as plus d'hommes dans ta vie, Gemma. Tu vois, je sais pas, moi, du tout. J'entends très mal, excusez-moi. Tu n'as plus d'hommes dans ta vie, Gemma. Je suis restée très longtemps avec le père de mes enfants. Ensuite, oui, si j'ai rencontré des hommes, mais là, non, j'ai pas d'hommes actuellement et je m'en porte super bien. Moi, j'ai une autre question. Tu es de quelle origine, Gemma? J'entends pas, ça capte pas, je suis Tu es de quelle origine? Allô? Allô? Et on t'entend très bien, nous, Gemma. On t'entend bien, nous, Gemma. Ah, mais moi aussi, j'ai des coupures. Hein. Moi aussi, j'ai des petites coupures. Non, c'est l'ordi, je pense. Allô? Allô? Oui, Gemma. Gemma. Allô? Quelle origine? Oh, c'est pas dommage. Quelle origine es-tu, Gemma? Gemma? Elle s'est évanouie. Mais non, elle a une rupture de. Une rupture de d'anévrisme. Elle est par terre. Ça, c'est bon. Elle est par terre chez elle. Ah, c'est dégoûté. 911. C'est une question, je ne vais pas répondre. Peut-être qu'ils m'entendent. Non, t'entends très bien, nous, Gemma, en tout cas. On t'entend parfaitement bien. Bon. Le temps que tu retrouves, parce qu'on va pas rester comme ça à se regarder en rond de flanc, on va écouter Renaud à Paris, puis Stéphanie, puis Alexandre et Zora, et on se casse. Allez-y, Renaud. Ouais. Alexandre, je voulais te poser une question concernant les parfums. Tu l'as vu ou tu l'as peut-être lu, le film ou le livre Le Parfum?
D'accord. Oh, putain, non. Non, mais regarde, faut pas s'inquiéter. Mais Maurice, il s'intéresse pas au livre, dis même pas. Non, non, écoute, non, jamais. Ouais, quand je l'ai non, pas. Jamais. Je te conseille, si tu aimes tout ce qui est rapport avec les parfums, je te conseille très vivement de voir ce film. D'ailleurs, le gars, il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, dedans. Et il me fait un peu penser à toi parfois quand tu parles des choses, tu sais, des choses très très simplement comme ça, tu sais, des parfums, des poils de chatte, des, tu vois, des trucs. Tu vas voir, je pense que ça devrait te plaire, le parfum. Essaye de trouver ce film, tu vas voir, c'est un film assez. Si tu ne lis pas, essaye de voir le film. L'adaptation est assez bonne. Quel est le nom de ce film alors ? Le parfum. Le parfum. D'accord. Le parfum. Voilà. Et tu vas voir, c'est une très belle histoire. C'est quelque chose d'assez fascinant. Je crois que le mec qui l'a écrit avait énormément de talent. Et tu vois, c'est assez génial. Moi, les parfums, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. C'est quelque chose. J'ai appris il y a longtemps, mais. Tu connais en fait le parfum, toi ? Un peu, ouais. Ouais. Je connais aussi la façon, tu sais, de faire les emballages de parfum. Ouais. Voilà. Et. C'est là. Attends. Et en fait, le truc. Oui, allô? Non, elle est là. Gemma, tu es là, on t'entend. J'ai rien compris, ouais. J'ai pas compris, mais je rends la main à Gemma si elle veut. Allez-y. Non, je répondais à la personne, en fait, qui me parlait. C'est Zora qui te parlait. C'est moi qui t'ai dit. Ouais, Zora. Quelle origine tu es, Gemma? Je suis algérienne, Zora. Et toi? À moi, pareil. Ah, d'accord. Tu m'avais dit que je pouvais parler de vous, et après j'ai entendu H de mes enfants, et après on a été coupés. Ah. Ouais. Voilà. T'as fait l'amour quand la dernière fois, Gemma? Il n'y a pas très longtemps. Ah, c'était bien? Normal. Ça sentait comment? Ça sentait comment? Pardon, je blaguais. si je trouve une nouille, je paye pas. Maurice, t'as dit quoi? Si je trouve une nouille, je paye pas. Si t'as plus, déjà, c'est impossible. Gemma, est-ce que. Gemma? Oui. Tu as les tétons plutôt clairs ou plutôt foncés? T'as quoi? Tu as les tétons clairs ou plutôt foncés? Attends, je vais aller quand je rigole. Là, je suis. Ouais, normal. T'es algérienne? Je suis algérienne entre les deux, mat et blanche. D'accord. De quoi, est-ce que... Non, il te parle de la couleur de tes tétons, Gemma. Ils sont normaux, ils sont clairs. Ah, plutôt clair, c'est pas mal. Hein. Tu sais quoi? Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'il fait une collection, Alexandre. D'accord. Non, mais c'est son truc. Et toi, la personne qui m'a posé la question? Alexandre, il s'appelle. Alexandre? Oui. T'es plutôt clair ou plutôt foncé? Plutôt foncé, lui. Non, mais Gemma, ah oui, tu vois pas sur Skype parce que Alexandre et Zora, eux, ils ont leur caméra, donc tu pourrais les voir en plus. Ouais. D'accord, mais j'ai pas Skype. Ouais, mais ils sont très flous. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est. Ce sont des artistes. Hein, sont des artistes. Ah oui, c'est clair. En tout cas, enchanté, Alexandre et. Enchanté. Gemma, quand t'as fait l'amour, est-ce qu'on t'apprend le vrai? Tu étais comment? Sur l'homme ou comment tu étais? Dessus. Après, je préfère être dessus. Alors, c'est ça? Est-ce que le sexe rentre complètement ou tu préfères qu'il rentre aux trois quarts? Complètement. Complètement. C'est bon, là? J'ai mort de rire, Maurice. Ah ben les questions de Alexandre, c'est un technicien, hein, donc on sent la technique là ce soir. Parce que lui sur sa bite, il y a elle est graduée. Elle est graduée et à la fin quand il arrive à la rentrée en entier, ça sonne, ça fait bip. Et Alexandre et Zora, vous êtes d'où?
Ah. Ils sont de Strasbourg, Gemma. Ils sont à Strasbourg. Ah ouais. Ouais, je connais pas trop. D'accord. Ok. Et Stéphanie et le monsieur qui était là tout à l'heure sont plus là? Ah si, Stéphanie est là, Alexandre et Zora sont là, Renaud est là, tout le monde est là. D'accord. Eh ben, enchanté tout le monde et franchement contente d'avoir vécu cette expérience. Je connaissais pas du tout. C'est pas fini. Elle est pas encore finie. Elle est bientôt finie. On m'a dit minuit. Ça a coupé. Je dis aïe. Non. Elle est bientôt finie. Je sais que les salariés préfèrent se barrer à minuit, mais bon. Non, mais avec grand plaisir. Vu qu'on est obligé de payer le taxi, on s'en fout, nous. Pardon. Le prix que ça nous coûte, l'histoire, là. Oui, vas-y, Gemma, vas-y. On t'écoute, en fait. Moi, là, le truc, c'est que, voilà, quoi. Tout ce que j'avais à dire, c'était... C'était ça. Enchanté de vous avoir tous connu. Oui. J'ai un peu... Non, mais on s'en va pas encore, nous. On s'en va pas, nous, Gemma, encore. Non, mais ça veut pas dire au revoir. Ah, d'accord. Je suis très contente de ce que je vis là, maintenant. Sixième parce fois. Parce que je connaissais pas... Septième. La prochaine fois, la semaine prochaine, tu pourras rappeler. Après, c'est un manque d'habitude, hein. Gemma. Oui. Quand tu fais l'amour, est-ce que tu moues beaucoup? C'est très sec. Non, je mouille pas moi. Ah bon, c'est très. Ah ouais. Mais ça tient pas non, mal. Je rigole. Non, pas, je ne pas. Je plaisante, je te jure, non. Non, elle a une petite burette. Mais normalement. Attends, ouais. J'ai une petite quoi? Attends, c'est pas une petite burette, tu sais, t'appuies de temps en temps. Avant, en mécanique, il y avait des petites burettes comme ça en plastique, c'était très joli. J'en ai deux. Ouais, j'aimais bien ça, moi. Ah, c'est pour ça que tu mouilles plus? C'est pour ça que je mouille plus, si, je mouille toujours. Pourquoi il est sec, ton vagin? Bon, le reste... Non, il est pas sec, je rigolais. C'était une plaisanterie, tu te fais avoir, Alexandre. Hey, nananère. Allez, Renaud, à Paris, puis Stéphanie. Avant de redonner la main à Gemma, j'étais en train d'essayer de dire que ce qui est rigolo avec les odeurs, c'est que c'est le sens, c'est le des cinq sens, c'est celui qui nous tape direct à la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interprétation par le cerveau, ça va direct dans les zones mémorielles. Et c'est pour ça qu'on est si sensible au parfum. Ah oui, merci. Oui, c'est vrai, pourquoi, ouais, à ce point? Ah oui, ça va direct. Ça, si tu veux, c'est les choses dont tu te rappelles le mieux dans ta vie, ce sont les odeurs, en fait. Ouais. C'est pas faux. Ah, ça a été mesuré, ça, en plus. C'est bon. Ouais, voilà. Ouais. Bon, sinon, j'avais rien d'autre de bien. Ah si, Alexandre, tu me débectes parfois. Mais vraiment, hein. Vraiment. Des fois, je me dis, alors lui, je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive à tenir de tels discours comme ça, dégradant pour ta nénette, pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai dit de dégradant, par exemple? Quasiment tout, en fait, tu vois. Mais c'est pour ça, je te le dis juste comme ça en passant, parce que c'est pas vraiment important, en fait. Voilà, continue. Bah si, tu t'exprimes. J'ai compris. Bah, moi, je dis que c'est, si tu veux, par exemple, les questions que tu viens de poser à Gemma sont, pour moi, totalement ineptes et ça, c'est des choses qui ne te regardent pas. Tu vois, tu pourrais lui poser ce genre de questions dans le cadre d'une conversation orientée là-dessus, mais toi, c'est systématique. Tu vas aller dans le, je dirais pas le graveleux parce que c'est pas ça, tu vois, mais tu vas aller. Tu vois, il y a un truc qui me rend profondément. Et donc, toi, tu penses que non pas. Attends, je termine, puisque tu m'as posé la question, je vais terminer de te répondre avant que t'en poses une autre. Et que, en fait, je ne fonctionne pas comme ça, si tu veux. Et ça me débecte. Mais vraiment, hein, profondément. Maintenant, après, chacun sa vie, hein. Ah oui, chacun son. Voilà. Mais je te rassure que je ne pose pas ces questions en place à l'onté, en public, par exemple. C'est exceptionnel sur mon Maurice Radio Libre. Ah non, c'est pas exceptionnel, tu le fais tout le temps. Ah oui, parce qu'on est sur une, ah, ouais, d'accord, c'est la conversation. Ouais, où je suis sûr de pas me faire prendre une claque par la femme ou la personne. Et je n'ai pas de poursuite judiciaire à risquer. Alors qu'en public, si tu dis ça dans un endroit public, tu risques des poursuites judiciaires. Ici, je ne risque rien. Et ces propos sont totalement... Voilà, c'est une radio libre et c'est dans les règles et dans un cadre de tableau.
Voilà, non, c'est tout. D'accord, moi, si tu veux, ça n'en rentre pas dans ma notion du bon goût. Je te rassure, Renaud, j'en ai, ça m'est totalement indifférent de tes états d'âme, de ce que tu peux. Mais c'est bien que tu t'expliques. Super bien. Non, mais attends, encore heureux. Je vais continuer. T'imagines si ça te rendait malade ce que je viens de te dire. Tu vois, t'imagines. Oh, je te rassure, ça ne me rend pas du tout malade. Ah, bah, j'espère, j'espère qu'il y a d'autres choses qui te rendent malade. Hein. Oh, tu sais, Renaud, on n'en est pas plus homme que ça, que de parler un peu. On n'en est pas plus homme. Bon, t'as envie de me faire croire que, bon, toi, t'es quelqu'un qui parle que de lecture et de bon, et que le mot vagin. J'aime bien parler de cul aussi, hein, tu vois. Bon, j'ai du mal un peu à te croire, Renaud, que quand tu es en train de draguer une femme qui te fait bander, tu n'es pas de propos graveleux. Alors, tu connais Tu connais ma technique de drague? Moi, elle est très simple. Ouais, moi, je m'assois à une terrasse. Tu vois, je m'assois à une terrasse, je regarde une nénette et je me lèche les sourcils. Et ça marche à tous les coups. Oui, bien sûr, ouais. Tu lèches les sourcils, ouais. Mais bon, après. Je plaisante, Alexandre. Alexandre, je plaisante, d'accord? Bah, par contre, non. Quand je dis tu me débectes, sinon, je plaisante pas, là. Oui, tu sais, t'as des gens qui écoutent cette émission qui apprécient mes propos, d'autres qui ne les apprécient pas. Bon, écoute, bon, oui, c'est bien, ça, oui, bien sûr. Non, mais tu vois, voilà, au moins je te l'aurais dit parce que là, tu vois, là, t'as donné un étendu de ta palette là ce soir qui était quand même phénoménal. Oui, enfin bon, faut-il vraiment avoir le framin sur Maurice Radio Libre pour discuter avec quelqu'un, je veux dire. Ah bah visiblement non. Bah, il n'y a pas grand chose qui t'arrête, quoi. Oui, enfin bon, je reste quand même dans le bon goût, mais dans la distinction et le bon goût, on va dire ça, hein. Bah, dans la distinction, je pense pas avoir été insultant, ni trop dégradant, j'ai pas prononcé de mots chats, j'ai pas dit ça. Par contre, dégradant, moi je trouve que c'est un peu dégradant, en fait, les questions que tu poses. Donc si je peux. Et surtout la façon dont tu les poses, quoi. Donc si je peux me permettre, tu dois trouver Maurice dégradant aussi, parfois. Non. Parfois, tu vois, il y a une manière de faire, peut-être, qui est pas la même. Ah bon? Quand il a certaines expressions, tu penses pas que c'est graveleux? Attends, j'ai pas entendu le début de ta phrase, excuse-moi. Maurice, si tu l'écoutes parfois, si on t'écoute, il a aussi des propos des fois graveleux, non? Non, sur le plan intime, non, c'est toujours. D'accord, il y a un petit peu de drague systémique, si tu veux, mais moi j'ai jamais trouvé graveleux, non. Ah, tu penses que Maurice, des fois, il prononce pas le mot baise, Ça n'a rien à voir. Tu peux prononcer. Ah bon? Tu peux prononcer les mots les plus. On ne doit pas écouter le même programme alors, hein? Ouais, non. Enfin, c'est, en tout cas, je n'ai pas la même oreille. Oui, bah, tu dois. T'as pas la même oreille alors, hein? Ouais, c'est ça. C'est une question d'oreille. En tout cas, c'est une question d'oreille, bien sûr. Tu dois être indulgent alors, hein? Ah non, mais moi je t'ai dit, voilà, ça me débecte, mais sinon ça me dérange pas plus que ça. T'es pas tout seul, hein. Ouais. Moi j'espère. T'es pas tout seul à me dégoûter comme ça, tu vois, il y en a plein. Et puis je pense que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à te dire que je te débecte, tu vois. Tu me débectes, pardon. Ça débecte en demandant à une femme, excuse-moi, est-ce que quand tu fais l'amour, tu préfères être soumise ou dominatrice? Excuse-moi, je te trouve vraiment là au ras des pâquerettes, mon grand. Non, mais c'est pas ce que t'as posé comme question tout à l'heure, hein. Mon Dieu, c'est pas ce que t'as posé comme question. C'est pas du tout la question que t'as posée tout à l'heure. C'est, tu as demandé, est-ce que t'as fait l'amour? Quand est-ce que t'as fait l'amour? De quelle façon? Tu vois? T'as pas demandé si elle était dominatrice. On rentre pas dans la team, on rentre dans la découverte. Tu peux me répéter ça? On rentre, ok, un petit peu dans l'intime, mais on rentre dans une chronologie intime. D'accord. Il y a quoi de graveleux ou de dégradant, Renaud? C'est pas très grave. Si c'est grave, puisque tu t'exprimes, je vais au boutonnet. Je te pose une question. C'est pas grave que je m'exprime. Réponds-moi, quelle est la chronologie intime? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans la chronologie intime? Moi, je trouve, si tu veux, ok, mais tu vas me laisser répondre sans me couper la parole, d'accord? Tu veux bien? Puisque tu me poses une question, je vais te la répondre, mais tu me coupes pas la parole. Donc moi, je pense que la façon dont tu présentes tes choses, quand tu poses les questions, moi, me met mal à l'aise. Pas profondément mal à l'aise, parce que des gens comme toi, j'en ai déjà connu. Et tu en apprends très vite tout ce qui motive
ce genre de d'attitude. C'est pas une question de teneur de tes propos, c'est si tu veux, c'est il y a une question de d'attitude générale, notamment dans ton attitude avec Zora aussi parce que ça fait quand même quelques mois que je vous écoute et que je vous tu vois que je vous entends aussi. Et parce que je vous écoute pas tout le temps, parce que des fois c'est limite audible pour moi, tu vois, je te le dis très franchement hein, tu vois, je zappe, tu vois, je vais ailleurs quand je fais autre chose, quand tu prends la parole et que tu pars sur tes délires que j'appelle moi d'ordre psychosexuel. Et voilà, parce que c'est pas très intéressant et en plus c'est profondément moi personnellement ça me dérange. Tu vois, je me dis mais en fait c'est un peu comme, alors c'est non pas comme Cathy, comme Catherine, mais je me dis que en fait tu fais œuvre de psychanalyse quand tu dis ce genre de choses. Et moi que moi je suis pas payé pour écouter ça. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai terminé. J'ai dit. On va écouter Stéphanie Escaldes Angordani. Oui, bonsoir Alexandre. T'as fermé ton micro. Alexandre, m'entends? Si, t'entends. Je t'entends, j'ai juste mon micro coupé, je te laisse parler. Oui, d'accord. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, donc tu nous narrais tes exploits sexuels et manifestement tu es très porté sur la chose. Et donc, malgré le fait que tu te sois retenu, tu avais giclé partout jusqu'à ton nombril tout à l'heure. Je voulais savoir comment tu donnais du plaisir à Zora. Aujourd'hui ou, ah. dans les autres moments? Ah, merci Stéphanie. En général? Ah bah si tu écoutes ce programme... La galère. Ben j'ai du mal à lui procurer un gros plaisir. Alors comment? Ben écoute, c'est... Si tu écoutes cette émission, ben je la sodomise très souvent. Non, non, mais elle me parle de plaisir assez souvent. Non. Si tu écoutes cette émission... Bah écoute, je sodomise Zora, lui demande du plaisir. Non. Le plaisir, il vient comme ça, hein, le plaisir ultime, elle le dit souvent. Ça. C'est pas ça, plaisir. Bah, l'orgasme, tu l'as quand je te sodomise. Ah, si, c'est prodigieux, je te jure, c'est fabuleux. J'adore cette émission. J'ai jamais d'orgasme quand tu me sodomises. Hein. C'est pas ça, l'orgasme, ça fait du bien, oui. Oui, ça fait du bien. Mais c'est pas un orgasme. Bah, l'orgasme, c'est pas un chat. L'orgasme, c'est pas un chat. Ah, par le vagin, oui, ça va. Mais attends, mais l'orgasme, tu l'as, l'orgasme. Tu l'as comment, moi, en tant que femme, moi, Comment toi, tu veux que j'aie ton orgasme? Non. L'orgasme, tu l'as, c'est si tu touches, quand tu touches. Ouais. Quand tu touches, tu vois ça. C'est déjà un plaisir de femme, on aime bien se toucher. Oui, d'accord. Ouais. T'as pas besoin de pénétration pour avoir un orgasme. Attention. C'est prodigieux. Tu veux avoir un cligné? Tu peux te laisser, là, ça. Tu peux te relâcher, faire toucher. Tu peux même faire un truc de code là. Ça fait du bien. T'as pas besoin de pénétration pour avoir un orgasme. Bah disons, on va dire que sur 10 rapports, je lui procure 3 fois du plaisir. Après le plaisir, Stéphanie, bah ouais, c'est quand je lui touche la chatte puisque je ne la lèche jamais. Sans plus. Je ne lèche pas, je touche. Sans plus. Et quand notamment elle est sur moi et qu'elle frotte son vagin, mais très légèrement sur mon sein et que je prends l'extrémité que ses fesses. Et si tu veux, je fais un genre de va-et-vient. Comme une passoire qui monte, qui descend comme un petit manège. Et si tu veux, ensuite je vais en avant, en arrière, mais pas, si tu veux, comme un bloc. Je prends ses fesses, je les surélève de manière à qu'elles effleurent la longueur de mon sexe. Tu vois, tout dur. Et là, elles mouillent la longueur de ses lèvres. Et là, c'est pas mal. Et ensuite, je rabaisse, j'effectue une abaisse. De manière à que justement là il y ait le contact en fait. Comme un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage, quand il atterrit, à un moment la roue elle touche la piste et là c'est l'orgasme. Et là il faut freiner. Et là on freine. Comme un avion. On freine vraiment l'orgasme. Voilà, c'est là. Tu l'as saoulé. Mais là, en fait, lui, là il est trop dans la technique, il abuse, hein. Il a plus trop. Hein. Pose la question à elle, à Stéphanie. Tu trouves pas? Tu es encore là, Stéphanie? Excuse-moi, Zora, je t'ai pas bien entendu. Non, je te dis, il est trop dans la technique, là. Hein? Mais oui, pourquoi il est pas dans le laisser-aller? Pourquoi il cache pas? Mais c'est ça le problème. T'as vu, même elle lui dit. T'as vu? Mais y a pas comment qu'il le dit. Elle le dit. D'ailleurs, en général, les gens qui me dérangent profondément, ce sont les gens qui ne se laissent pas aller, qui sont complètement coincés quelque part. Moi, je vais aller, mais lui, non.
Mais moi, je suis dans le calcul et dans la maîtrise. Voilà, les gars, on est dans la maîtrise. Quand elle va faire du bien, à quel moment elle va faire du bien, comment elle va faire, quel moment, quelle heure, même à quelle heure, combien de temps, comment elle va faire, quand elle va terminer, comment, tu as tout, il calcule tout. Et ah, ben... attends, alors comment tu veux que le plaisir soit naturel et que tu as du bien à moi? Et ben moi, attends, je crois que tu as la réponse. Comment tu veux qu'on ait le plaisir tous les deux? Si toi, là, moi, je suis à l'aise, je vais installer, et toi, non? Si on devait, je pense, en parler un psychiatre, je suis dans le calcul et la maîtrise, puisque je voyais des femmes de joie, des prostituées. Non, et il faut savoir qu'une prostituée, elle calcule tout, elle maîtrise son temps. Non, je tombe. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Oui. Et vu que j'en vois depuis 20 ans, bah, c'est devenu chronique. Si on doit trouver une explication de tout ça. Elle a pas l'air super contente, Zora. Ouais, je sais pas si Zora partage ta vision de la technicité. Mais c'est vrai, non? C'est vrai, c'est la technique. On est dans la technique, dans le. Bah oui, enfin, voilà. Autant, il faut, tu vois, le truc de la technique, genre, c'est triangle, il faut que ça reste triangle, tu vois. C'est asymétrique, ordonné, où on se doit être. Toi, je suis un truc de fou. Bah, disons, c'est vrai, Stéphanie, que quand je touche les fesses de Zora, je veux pas que ça aille à côté. Mais moi, j'ai pas l'air contente. Zora a pas l'air contente. C'est quand même ça le constat. Elle a pas l'air contente. Oui. Jamais contente. Non, mais. Non, c'est pas jamais. Vrai. Sur 10 rapports, il y en a 3 qui sont bons. Hein. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais, j'ai 30% de réussite, Stéphanie, quand même. Hein. Attends, une fois, tu sais, fais quoi, Stéphanie? Stéphanie, je suis jeune. 30% de réussite. Stéphanie, écoute-moi. J'ai 29 ans. Quand j'ai trouvé Alex, quand j'ai fait l'amour avec lui, et on avait déjà ces problèmes-là avant. Là, ça a évolué, puisque on est la routine, on est en trop. La routine, on est en trop. Donc, mon corps, il le connaît, et je connais son corps. Attention, Gemma, on vous entend là, je sais pas ce que vous faites. Désolé. Ouais, vous pouvez intervenir, mais vous pouvez parler à ceux qui sont là. Mais si vous parlez entre vous, vaut mieux couper le micro, quoi. C'est mieux. Désolé, Maurice. Ouais. Allez-y. Je rejoins un peu la conversation, en fait. Oui. Allez-y, Stéphanie. J'écoutais Zora qui a été interrompue. Je disais quoi, juste, tu t'as interrompu? J'étais en train de me dire que t'étais pas contente. Tu parles quoi? Je parlais de quoi? Non, mais elle a tout cassé, là, je suis un petit. Ça va être de ta faute, Stéphanie. Hein. Et c'est ta faute, l'explication. Elle a tout cassé. Tu suis, c'est un fantôme, là. Putain. J'ai quoi, en fait? Dis-moi. C'est. Bah, attends, c'était quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, dis-moi. Je sais plus ce que j'ai dit, elle a tout cassé. Mais non! C'est l'autre qui a tout cassé là! Tu te souviens quand même de ce que t'as raconté, non? Mais c'était quoi, merde? Ouais, non, tu disais que je suis dans la technique, dans le calcul. Ouais, c'est tout. Ah voilà. Voilà. Oui. Et après? Ouais. Mais c'est ça, en fait, le problème de Alex. C'est que depuis le début, moi, quand j'ai envie de me faire du bien, depuis. Ah voilà, c'est bon, je me souviens. En fait, depuis que j'ai 25 ans, que je suis venue. C'était la routine, nanana. Mais je savais qu'avec lui, je ne retrouverai jamais un plaisir que j'aurais besoin. Tu vois, vraiment. Parfait. Parfait. Mais parfait dans tous les points, tu vois. Et je sais que jamais je trouverai avec lui, hein, un plaisir parfait que moi, je rêve d'avoir, tu vois. Et c'est ça, c'est important chez moi. Je suis une femme, je pense que toutes les femmes ont besoin de ça, tu vois. Mais ces trucs-là, et plus, tu vois, plus j'ai grandi, mon corps change, mes hormones changent, j'ai grandi, je suis une femme maintenant, tu vois. Et plus je grandis en âge, plus j'apprends des choses, tu vois. Et c'est gênant, je sais pas. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir des orgasmes, putain? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir du plaisir? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir du plaisir avec lui? Moi, je vais me faire avoir du plaisir avec lui. Je sais que je vais taper tous les mecs hein, que j'ai là, de Paname, de Strasbourg, de Marseille. Je me tape des mecs, je plais, moi, tous les mecs, moi, je peux. C'est juste baiser, hein.
Elle veut que ce soit moi qui procure la place. Tu ne parles pas de baiser. Moi, je ne parle pas de baiser. Moi, j'en ai plein de mecs qui me baisent. Moi, je parle de faire l'amour, d'avoir un plaisir charnel avec l'homme que j'aime. Moi, j'ai besoin d'avoir un plaisir charnel, sensualité, et tout ça, tu vois, en mélange. C'est rien, mais c'est vraiment important, je te jure. C'est important, évidemment. Tu crois que je reparlais là, mais c'est pas que dalle, c'est important, là. Mais c'est très... Il faut faire des recherches, tu vois. Tu vois, comme un neurologue. Après. Tu vois, la médecine, quand tu veux faire des recherches, pourquoi l'homme ne fait pas plaisir à la femme? Pourquoi il pense qu'à lui, qu'à ses couillasses, de colouesses, des grosses boulettes, là, des pétrales? Ouais, bon, après... Non, mais franchement... Non, mais ça n'oublie, reste à... n'oublie pas quand même que Zora aussi, elle a déjà eu 3 orgasmes. Hey, sur 10 fois on fait l'amour, il y a 30% de réussite. Quand je veux dire, mais jamais, tu sais, c'est beaucoup temps, quand même. Hein. J'ai jamais le droit d'avoir mon orgasme. C'est complètement faux. Mais attends, ça attends. C'est parce qu'elle n'a pas eu d'orgasme depuis 2 semaines qu'elle dit ça. Je veux dire, si tu écoutes l'émission, il y a moins d'un mois, il y a moins 30 jours, on a fait l'amour et je l'ai fait jouir. Donc à un moment, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de rabaisser, il faut aussi voir les victoires. Faut pas avoir toutes les défaites. Tu sais, je veux dire, Stéphanie, c'est bien beau de tirer sur la chèvre, mais bon, faut aussi voir tout le bonheur, le plaisir. Tirer sur l'ambulance. Tu sais, je veux dire, c'est comme un petit peu, ouais, voilà, comme des jockeys. Il y a des jockeys, ça fait longtemps qu'ils ont pas gagné, ils regagnent. Bon, moi, je gagne pas souvent, mais je sais gagner quand même. Je veux dire, je sais procurer du plaisir, Stéphanie. C'est pas jamais. Pas moi. C'est pas jamais. Pas moi. Formidable. Cette émission est formidable. Et ouais, là on apprend des choses quand même. Oui, Stéphanie. Je te dis, j'ai pris 2 mètres. Eh, bah oui. Faut laisser ouvert, je te dis. Oui, Stéphanie, Oui, Stéphanie, moi j'ai proposé à Alexandre de faire des trucs en couple, auprès des parties, tu vois, en couple, du sexe. Oui, sans juif. En couple. Peut-être que ça marcherait un peu, que ça allait déconstruire, parce qu'il fait l'amour avec un autre, ça, c'est un problème. Ouais. Mais qu'on sera ensemble, mais on s'apporterait du plaisir mutuellement, tous les quatre, tu vois, que ça changerait un peu de. Mais lui, il veut pas, il est pas. Il veut pas changer de. Parce que sinon, après. Oui. Oui, Stéphanie. Non, mais Zora, il faut partir en croisade, là, c'est pas possible. Wow. En courant, il faut partir en courant aussi. Et toi, tu baisses souvent, Stéphanie? Ouais, vachement. Wow, ah, ouais. T'as la chance. Donc, t'as souvent des orgasmes, tu vois bien. Pied, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ouais. C'est à qui que tu fais l'amour, toi? Est-ce que des fois tu lèves la jambe gauche ou droite quand tu fais l'amour? Est-ce que quoi? Est-ce que tu lèves une des jambes quand tu fais l'amour? Ça t'arrive? Oui, des positions. En position Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que je crois? Est-ce que tu lèves ta jambe droite ou ta jambe gauche quand tu fais l'amour? Est-ce que ça te fait jouir quand un homme est sur toi? Oui, les deux. Ah, les deux, d'accord. J'ai pas de penchant. Les deux. Et tu gémis fort quand tu fais l'amour? Je? Tu gémis fort quand tu fais l'amour? Pas trop. À l'italienne. C'est quoi l'italienne? C'est quoi l'italienne? C'est-à-dire qu'on est plus dans le petit grognement, si tu veux, que dans l'opéra lyrique, tu vois. Oh, non, j'aime pas trop ça. T'es du genre à dire, oh, si, está bien, oh, está bien, bueno. T'es un peu comme ça, c'est ça? Parce que les Italiennes, elles jouent comme ça, en fait. T'as pas dû faire jouer beaucoup d'Italiennes. Bah dans les bronzés, dans le film Les Bronzés font du ski, quand ils sont dans le chalet en Italie, ils baissent une Italienne et Christian Clavier, quand il écoute à la femme, elle fait oh si, oh, oh. Oh, il y en a pas mal de ces Italiens. Tu as l'air vachement bronzé, toi, Alexandre, hein, quand même. Ouais, je vois pas, ouais, enfin, le gémissement à l'italienne, jamais entendu ça, moi.
Franchement, j'ai... Et Alexandre, Alexandre, ça te fait pas chier que Zora ne jouisse pas? Oui. Il s'en fout. Ouais. Il s'en fout. Ouais, non, c'est vrai, Maurice, hein. Ouais, c'est vrai, les routiers sont sympas. Stéphanie, hein. Ça fait plaisir que tu sois là et que tu prends ma défense et que tu es là. Les questions que je me pose, à les poser. Oui, Gemma. Oui, je dois rien avoir. Je coupe le délire. Je coupe la conversation poliment, en fait. Parce que je dois rentrer chez moi et ouais, on t'embrasse, Gemma. Merci, nous aussi, on va bientôt partir. Allez, bonne nuit. Prenez soin de vous. Ça marche, tu sais où nous trouver. Et ouais, allez-y. Au revoir, d'accord. Au bonne nuit à toi, merci. Bon week-end. Merci à vous. Et merci, oui. Hein. Et ben, bien sûr. Au revoir. Stéphanie, Stéphanie, c'est à toi la main. Ouais, Stéphanie, à attends. Bonne nuit, Gemma. Hein, oui. Stéphanie et tout le monde. Au revoir. D'accord. Allez. D'accord, allez-y. Allez-y, Stéphanie. Stéphanie ? Odora, il faut faire quelque chose là, c'est pas possible, tu peux pas accepter. Quoi, Stéphanie ? Stéphanie, exige ! Exige ! Et ouais. J'exige, je veux pas ! Faut que je fasse quoi ? Faut que j'aille plus avec un autre ? Ah non. Bah, non, tu le lui demandes, et je sais pas qui va pouvoir accéder à ta demande. Tu sais, quand, à chaque fois que moi j'ai envie, moi je me retiens en fait, hein, tu sais, quand j'ai envie de faire l'amour, tu sais, moi je me retiens. Ouais, elle a envie très souvent en plus. J'ai envie tout le temps, moi, que ouais. je suis jeune, j'aime bien faire l'amour, ouais, j'aime bien trop. Mais quand j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie d'un plaisir, j'ai envie de sucer, j'ai envie de toucher, ou d'avoir des caresses, ou des papouilles, ou... Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que le trésor, il y a des trucs. Et hein. Puis moi, quand je me sens... Attends, j'explique, ouais. On va poser la question, c'est important. Bah, tu vois, bah, c'est... Bah, quand j'ai envie, bah, je suis gênée, en fait, tu vois, le truc. Je suis gênée à un point, t'imagines. Moi, je suis gênée. Moi, j'ai envie. Mais par contre, lui, il n'est pas gêné quand il a envie. Il vient chez moi. Et moi, je crois que je dis non. Bah non, je ne vais pas dire non. Parce que moi, j'ai tout le temps envie. Et au moment où il a envie, bah, je ne vais pas dire non. Tu vois le truc. Je peux pas dire non parce que moi j'ai toujours envie. Il faut que j'attende que lui il a envie. Il faut savoir un truc là. Ah, ça faut le dire. Hein. Ça, franchement, faut le croire. Moi je trouve ça odieux. Faut le vivre. Prends-moi. Vraiment, je trouve ça odieux. Faut le vivre pour le croire. Ah, bah non, mais moi je veux bien te croire, Zora, mais je te jure, je trouve ça attends, odieux. Attends, je vais l'expliquer juste. S'il te plaît, faut que je dise. En fait. Explique à Stéphanie. Vraiment là, il faut attendre que lui il ait envie de faire l'amour pour que moi. Je fasse l'amour et que j'ai du plaisir. Si lui, il en a pas envie, ben moi. Mais attention. Attends. Alors, c'est vrai, attends, je pose la question à Alexandre. Je veux dire, attends, quand, ouais. Quand tu sais que moi j'ai envie de faire l'amour, alors tu ouais. Penses pas à moi, tu penses jamais à moi alors. J'ai une réflexion à dire. Tu penses jamais à moi. Tu sais, Stéphanie. Je suis une poulet en fait. Je vais te dire que j'ai un très grand respect. Tu es la bonne femme. Je vais te dire, attends. Je vais juste te dire pourquoi j'ai du respect envers Zora. Pourquoi ? Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont ce respect-là. Et Mickaël le note sur le chat. Il m'a demandé, tu sais, un jour j'ai sodomisé Zora, sans capote. Et ensuite, elle voulait me faire une fellation. J'ai dit, non Zora, tu vas pas me faire de fellation. Je viens de mettre mon sexe dans ton anus, il y a des champignons, il y a des microbes. Et ensuite, si ça se met à la séance de baise, elle prend une gifle. Là, il a sorti son microscope et il lui a montré. Après, il est allé dans sa chambre chercher un classeur dans lequel il y avait la liste des maladies. Non, alors après, on se demande, mais pourquoi elle jouit pas? Je te le dis, j'ai dit à Zora, j'ai fait non, ne me suce surtout pas, donc je lui ai repoussé la tête. J'ai pas envie que t'aies une infection dans la bouche vu que t'as des problèmes de dents. Et là, tu peux avoir. Et donc, alors, moi. Et alors, tout ça, là. Et ce que j'ai fait, bah, je suis allé. En fait, je suis allé me laver le sexe. Et alors, on s'en fout. Vite au savon. Et alors, on s'en fout. Mais non, attends pour tout enlever. Et alors, le plaisir est où? Et après, il a pris une poignée de fraises et il l'a pressé contre son phallus et lui a remis dans la bouche. Avec deux langues de chat. On va parler du plaisir que je fais jamais l'amour et que lui, quand moi j'avais envie, il est pas là. Et là, il parle de.
de l'hygiène, on s'en fout de l'hygiène là. Non, c'est vrai. Et toi, quand tu vas baiser une nana, pute, tu vas. Enfin, fille de joie, pardon. Tu vas penser à ça? Non? Tu vas se racheter à ton plaisir, hein? Ah non, je fais attention aux maladies. Hein. Ah oui, juste avant de plaisir, je suis là. Ah bah oui. Mais après, prends souvent. Ah bah oui. Ah bah oui. T'es jeune, t'es là. Ah. Ça dure que ça dure. Ça dure 10 minutes, même ça, pas. Mais en fait, je crois que c'est ça qui t'attire. Bon, très bien, allez, on se casse. On va écouter la conclusion de Renaud à Paris. Ouais, moi j'ai bien fait de venir, franchement. Ouais, je te l'avais dit. Ouais, non, comme tu dis, ça fait grandir. Là, je te dis, j'ai pris au moins 2 mètres en une soirée. Non, merci pour cette émission formidable, Maurice. Même Alexandre, même Zora, merci Stéphanie, merci Gemma, je sais pas si elle nous entend encore. Je vous souhaite à tous une bonne nuit rock'n'roll. Rock'n'roll, bonne nuit à toi, merci d'être venu, bon week-end. La conclusion de Stéphanie à Escaldes and Gordani. Zora, il faut que tu lui foutes la honte à ton mec. Il faut que tu lui foutes la honte, que tu lui dises que c'est pas possible, quand même, c'est pas acceptable. C'est presque son rôle premier que de te faire jouer et il est même pas foutu de remplir cette case. Il faut faire quelque chose. Ça m'a fait super plaisir de te parler, Maurice, après tant d'années. Je te fais plein de bisous, j'ai passé une très bonne soirée et bisous aux auditeurs et à bientôt. Je te remercie d'être venu et j'espère que tu reviendras. J'étais ravi de t'entendre. Et tu sais où me trouver. Alors, Cameron, les bonnes nuits à toi. Et la conclusion d'Alexandre et Zora à Strasbourg. Oui, bah moi, je voulais te remercier, Stéphanie, de ravi de t'avoir rencontré aussi, vraiment. Hein. Et merci pour tes questions. Parce que, sérieux, des fois, je me pose pas la question. C'est toi qui m'a fait rappeler, en fait, la question. Le fait d'avoir envie. Et d'attendre que lui il en a envie pour que moi j'en envie. Et alors au moment où moi j'en envie, ben je pourrais jamais, en fait. Faut que j'attende que lui il en a envie pour que moi j'en envie. Donc à la fin, le plaisir, je n'aurai jamais. Parce que j'attendrai toujours que lui il a envie pour que moi j'en envie. Bref, ça c'est interminable. Mais voilà, sinon. Ça c'était cool, ouais, d'avoir parlé ce soir. J'espère la prochaine, tu reviendras parler à la radio à Stéphanie de. Canon, allez, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bon week-end, Zora, soigne-toi. La conclusion d'Alexandre à Strasbourg. Oui, ben merci Maurice pour cette belle semaine, ton écoute qui a été une semaine mouvementée. Mais qui se finit dans la bonne humeur et dans le plaisir, et je suis très content que Zora s'y remise. C'est ça le plus important, le reste n'est que du loisir. Après, bon, je salue spécialement aussi Pascal Denis, qui écoute ce programme assidûment, et je le salue bien, ainsi que toutes celles et ceux qui écoutent les podcasts. Voilà, je fais un petit peu le tour. Et tous ces hommes politiques aussi, qui dans leur vie privée doivent écouter Maurice Radeluc, j'espère les divertir aussi. Voilà, parce que bon, on est dans un monde où il se passe des choses des fois horribles et je suis très content de vivre ces choses-là naturelles. Non, je suis pas un acteur pour celles et ceux qui se poseraient la question. Hein. Je suis ni payé par Maurice Radolive, j'habite Strasbourg, je m'appelle Alexandre. Et je vis la vie comme beaucoup la vivent, mais je la vis par mes propres mots, parce que j'en ai envie et que Maurice est mon meilleur ami. Voilà, hein, à la base, j'appelle ce programme parce que c'est mon meilleur ami Maurice. On peut pas appeler en dehors de ces plages horaires, mais c'est des plages horaires assez vastes du lundi au vendredi pour pouvoir se dire les choses que tu me conseilles et que je puisse avancer dans ma vie. Voilà Maurice, et je t'en remercie du fond du cœur. Je te souhaite un très très bon week-end. À bientôt Maurice et à lundi. Pareil, Cameron, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Je remercie toutes celles et ceux qui ont appelé pendant toute la semaine, qui font vivre ce programme, celles et ceux qui viennent sur le chat, et qui envoient aussi des messages. J'étais très content de passer cette semaine avec toi, je te souhaite un très agréable week-end, je vais te laisser avec un titre que tu connais, que tu as peut-être pour une fois à la maison. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.